Ça va être archi chaud. Yeah. Athletic, you still ready? You want more? Yeah. Ah, voilà, Yamel a validé, on va leur mettre 5 points. Oh. Ok, le tour du monde, simple. C'est coach, tiens, ça va ou quoi? Et oui, bienvenue pour ce premier épisode des Urban Ballers versus un club de foot. En effet, on a un tournoi de foot organisé par McDonald's. Et en gros, j'ai ramené 4 Urban Ballers qui vont défier les clubs de foot professionnels. Aujourd'hui, on va accueillir l'Atlético de Madrid. Faites du bruit pour eux. Face à eux, il y aura 4 Urban Ballers qui ont été détectés, bien sûr, à la détection. Donc vous connaissez, il y a Riles, il y a Victor, il y a Alicia et il y a Mister Mehdi. Il y aura 3 challenges. Le premier challenge, c'est le 1 contre 1. Les buts comptent 1 point, les panas comptent 2 points. Ils vont avoir un temps limité et après on passera au deuxième challenge. C'est parti. La YouTube Mans, Tonton CN se trouve au Camp des Loges, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain pour le McDonald's Football Challenge. Comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent, c'est un tournoi de jeunes regroupant les plus grands clubs européens. J'ai été sélectionné comme coach officiel de la sélection McDonald's pour la catégorie U12. Mais en même temps, j'ai ramené 4 Urban Ballers qui vont relever des défis de folie. Le premier était d'animer la cérémonie d'ouverture du McDonald's Football Challenge. Le second et troisième défi sera ni plus ni moins que jouer contre certains des plus grands clubs européens, mais en mode pana, freestyle et 2 contre 2. Aujourd'hui, l'Urban Ballers Junior avec Riles, Alicia, Victor et Mehdi vont affronter l'Atlético de Madrid avec plusieurs challenges. Mais vous allez vous rendre compte très vite que tous les éléments ne sont pas avec nous. C'est parti. Ok, stop, stop, stop. Ok, go back. Athletic, you ready? Yeah. Ok, let's go. Ok, 1-0, 1-0, fermez le bambou. Ok, 1-1. Challenge, ça va être le freestyle challenge. On va inviter Alicia, elle va leur montrer un geste de freestyle et s'ils y arrivent, ils vont avoir 5 points pour revenir au score. Alicia, montre-nous le premier trick qu'ils vont devoir faire. Premier trick. Ok, le tour du monde, simple, simple. Si vous faites le tour du monde, on leur met 3 points. One chance. Ok, un trick plus difficile pour 5 points. Donc là, il y a 10 à 6. Ok, ok, ok. 5 points, 5 points pour celui-là. Ok, ok, press. Oh, ouh. Ok, on sait pas. Que dit le public, que dit le public. 2 points, allez, viens. Très bien réussi. Très bien, vous pensez que c'est bon? C'est bon, ouais. Oh, la nouvelle a validé, on va leur mettre 5 points. On leur met 5 points. Ça fait qu'il y a 11 à 6 pour la Titeco. Ok, le dernier challenge, ça va être un 2 contre 2. Ça va, chaque match va durer 2 minutes. Ok, il y aura à peu près 2 ou 3 matchs. On va voir si la Titeco vont pouvoir revenir au score et battre les Urban Ball, la team Urban Ball, ok? Ok. Ok. Hey,
13-10. Oh là là, oh là. Il y a des pains dans tous les sens. Oh my god. Ok, 3, 2, 1, stop. Stop, finish. On va, on fait l'applause, on fait l'applause. Deux smash. Attention, 3, 2, 1, let's go. Depuis toutes les deux jours, ces petits, on met des petits ponts à tout le monde. Et là, quand on arrive au challenge, c'est là qu'ils se rendent des petits ponts. Mais c'est Rémi, c'est ça, Panapoléeur. Oh my god! Il s'est passé 19-17. Il reste 3 secondes. 4, 3, 2, 1, stop. Je crois qu'au score, il y a 19-17. Je crois. Ok, je ne sais plus, je suis un peu perdu, on va dire qu'il y a 19-17. Mais sinon, dans la vidéo, vous voyez le score. C'est le dernier match, il reste 2 minutes, chaque équipe peut gagner. L'Atletico a vraiment bien joué le coup. Et ça fait 3, 2, 1, let's go. Toujours 19-17. Avec Calmé, ils ont le fire. Il reste 45 secondes pour gagner. 19-17 pour le... Le prochain point, c'est le point gagnant, il y a 21-21. C'est serré, regardez, ils sont archi motivés. Hey, l'Atletico, je t'entends pas. Oh, les Atletico, ils sont chauds. Attention, 3, 2, 1, let's go. Oulala. Bon voilà, YouTube, c'est la fin de la vidéo. On peut faire un maximum de bruit pour l'Atletico qui a relevé le challenge. Franchement, bien joué. I want to hear your song, you know, Atleti. Okay. Atleti. Ok, ils sont chauds. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un maximum de pouces bleus aussi pour les Urban Ballers qu'on gérait, Mehdi, Riles, Alicia et Victor. N'oubliez pas de vous abonner à Coach Yann en cliquant sur le Coach Yann qui apparaît sur la tête de Riles et Victor, compris un petit peu aujourd'hui. C'est bon, t'as cliqué. On se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye.